Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous faire découvrir un petit courrier que j'ai reçu de Anne, mon amie, qui habite aux USA. Elle a pensé à me faire une petite surprise et ça m'a vachement fait plaisir. Franchement, je ne m'attendais absolument pas à ça. Donc je vais découvrir, bon moi j'ai déjà vu, mais je vais vous faire découvrir les petites merveilles qu'elle m'a envoyées dans cette grande enveloppe. En premier, je vous présente cette magnifique réalisation. Je trouve ça vraiment super, super, super beau, super original. J'adore en plus de ça ce dessin qu'elle a découpé avec soin, une belle composition. C'est magnifique, c'est beau. Et puis je touche en vrai ta création, je trouve ça vraiment adorable. Donc voilà, c'est super beau. Merci Anne, merci beaucoup. Donc je vais laisser ça ici pour ne pas l'abîmer. Et je vous montre la deuxième. C'est beau. Qu'est-ce que c'est beau? Je ne sais pas si vous voyez. Un beau papier. Regardez. Thinking of you. C'est adorable, adorable. Je suis vraiment très très touchée, Anne. Vraiment, merci beaucoup. Merci vraiment. Ça me fait vraiment plaisir. C'est beau, c'est magnifique. Ça, je vais le mettre dans mon atelier. Je vais accrocher ça. Je vais essayer de bien encadrer des petites réalisations parce que vraiment, c'est artistiquement, c'est super beau. Regardez-moi ça. Comment c'est beau. Oh là là. C'est du tissu avec un léger bas-relief. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est super beau. J'espère, Anne, que je sais valoriser ton travail parce que je n'ai pas assez d'éclairage. C'est magnifique. C'est beau. C'est magnifique. Il y a la diversité de textures, il y a le tissu, le papier, il y a le léger bas-relief avec de la peinture, il y a du collage, il y a un effet de texture rugueux, lisse, c'est très très beau. En plus, là, je sais mettre une petite ficelle ou une petite chaîne pour accrocher. Je vais lui trouver une bonne place, ça c'est sûr et certain. Alors, il y a autre chose. De toute façon, je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube. Comme ça, vous pouvez jeter un coup d'œil pour voir ce qu'elle fait. Parce que c'est vraiment super beau ce qu'elle fait. Et elle pose beaucoup plus de vidéos. Donc, il y a une diversité de choix et de découvertes. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller visiter son site. Et franchement, elle le mérite. Ça... c'est super mignon. Vraiment super mignon. Les notes musicales et puis très très mignon. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. Ça, c'est adorable. Je vais essayer de les utiliser dans un de mes art journal. Je vais voir. En tout cas, je te remercie beaucoup parce que moi, je n'ai pas la machine qui coupe les petites formes comme ça. Donc, je te remercie. Ça m'aide quand même beaucoup. Ça, c'est super mignon. J'aime beaucoup. Très joli, très raffiné. En plus, j'aimais bien cette peinture quand je t'ai vu la réaliser. Belle composition. Franchement, bravo, Anne. Merci beaucoup. J'ai pris un peu de retard pour réaliser quelques vidéos, mais bon, j'étais tellement occupée. Je m'occupe aussi de la petite carrière, enfin de mon fils, mais bon, ça c'est... Alors ça aussi, j'aime beaucoup. Je trouve ça très très chouette. Très très chouette de ta part d'avoir pensé à m'envoyer ça. Ces petites fleurs, des petits... motif comme ça
en papier découpé, tout fait. J'ai juste à les coller. Donc je vais vraiment m'en servir, ne t'inquiète pas. Elles seront sur une de mes pages ou bien sur pas mal de pages. Merci d'avoir pensé à ça en tout cas. Ça, ça me donne des idées. Je sais pas, ça fait comme effet de bouton. Donc on peut carrément utiliser ces trous pour faire glisser de la ficelle ou de la laine. Ou je sais pas, je vais essayer de trouver une petite idée, une petite astuce. Donc ça, je vais peut-être aussi les peindre. Bah, tu as déjà peint, je vais laisser ça comme ça. Très joli. Je vais les intégrer quelque part sur une de mes pages. Ça, ça fait un peu effet timbre. Trop mignon, la petite. C'est quoi ça? C'est pas une mouche, je sais pas ce que c'est comme insecte. Je suis pas très douée pour les insectes. Ça, ça fait un peu oriental. Je vais l'utiliser certainement dans une décoration ou dans un art journal thème oriental. Et ah, excusez-moi, je suis tellement prise par la découverte que je ne vous fais pas partager de près les petites merveilles que je découvre. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup Anne et je te remercie infiniment. Ça m'a vraiment touchée d'avoir pensé à moi, d'avoir pensé à m'offrir ces petites choses adorables, fait main en plus de ça. Ça fait encore vachement plaisir. C'est vraiment super gentil d'avoir pensé à m'envoyer tes petites créations, tes petites merveilles, surtout que tu n'habites pas à côté. C'est pas évident d'envoyer ça de très loin. Non seulement t'as pris le risque, parce que bon, avec un courrier comme ça grand, généralement on le plie. Ben, la poste, malheureusement, elle saccage un peu le courrier pendant le trajet. On peut très bien les froisser, les plier en deux, quoi. Donc moi je les ai reçus d'une manière intacte. Donc c'est vraiment une belle surprise. Et puis c'est pas donné non plus d'envoyer un grand courrier des États-Unis. Donc je te remercie beaucoup et je te promets de te faire une petite surprise moi aussi comme retour, mais je te dis pas quand, je te dis pas quoi. La seule chose que je te dis, c'est que je te fais un gros bisou et je te dis à très bientôt. Et encore une fois, merci Anne, gros bisous, ciao ciao.